Bonjour, on ne vous présente plus. Compétences photo, vous connaissez, mais alors là, par contre, on hallucine un peu, on vous trouve dans une baignoire en plein milieu du salon. Il va falloir nous expliquer. Eh bien voilà, on s'est dit, la 2D, il y en a marre. Et pourquoi pas cette année se faire une petite ambiance 3D, voilà. Donc la baignoire est sortie de la photo et la baignoire se retrouve ici présente au salon de la photo sous les yeux ébahis des passants. Non, plus sérieusement en fait, voilà, j'ai eu l'honneur de faire partie du jury de concours pour l'exposition originale, pour la partie de la féminité et donc... Gérald, au passage, m'a demandé, mais et si on aménageait un peu le stand de façon originale, voilà. Et j'ai cogité un petit peu et je lui dis, mais pour moi, ce qui est un endroit pour moi qui représente la féminité, c'est la salle de bain, quoi. Donc je lui dis, chiche, mais tu me trouves une baignoire. Et puis voilà, j'ai déliré un peu autour en y mettant un peu de décoration féminine, décalée, colorée. Les boules transparentes, c'est quelque chose qui est assez présent dans ma photo. J'aime bien cette rondeur parfaite, cette transparence. Donc du coup, j'ai eu l'idée, parce que le principe, c'était pas qu'on y voit mes photographies. Voilà, il y a plein de jeunes et brillants talents d'exposer ici. Donc c'est eux avant tout qui étaient à l'honneur sur ce salon. Mais l'idée, c'était voilà, de faire un petit clin d'œil par le biais de ces petites boules, de ces petits cadres, et d'essayer de retrouver et des bijoux, des magnifiques bijoux qu'a fait Armel, évidemment, à partir de mes photographies. Et l'idée, en fait, c'était de retrouver les accessoires, hein, différents accessoires que j'ai pu utiliser pour mes photos, de les retrouver ici exposés et en parallèle les photos qui correspondent. Voilà, c'était l'idée de base, en fait. Des choses un peu plus calme, un peu plus posé, sur du long cours. C'est un peu vers ça que j'ai envie de me diriger maintenant, peut-être un peu plus vers de la photographie sociale, quoi. Voilà, maintenant, je pense que j'ai exploré l'univers un peu décalé, excentrique, qui me correspond aussi, et j'aimerais aller maintenant vers quelque chose d'un peu plus social, aller plus à la rencontre des gens, mais des vrais gens dans la vraie vie. Voilà, ça c'est des choses qui me tiennent à cœur, qui sont vraiment au stade de l'esquisse, de l'ébauche, de la prise de contact. Voilà, je tâtonne, c'est pas évident, hein, de se lancer dans un projet photographique, mais je pense que c'est vers ça que va tendre ma photographie ces prochains mois. Dans ma baignoire. Je serai présente ici toute la journée de samedi. Donc voilà, de 10h jusqu'à 19h, je serai ici présente. Donc on pourra discuter, échanger avec un grand plaisir.